Moineau. Dans un champ de millet, les moineaux venaient picorer les épis. Le chat de meunier les guettait. Depuis longtemps, sans réussir à les attraper, car aussitôt qu'ils s'approchaient, les oiseaux s'envolaient. « Je vous prendrai quand même, petit nigaud, » dit le chat en méditant une rousse. Il alla tremper une de ses pattes de devant dans le ruisseau, puis il courut au moulin la plonger dans un tas de millet en grains, de façon que les grains restèrent collés autour de sa patte mouillée. Ainsi, se dit-il, ma patte ressemblera à un gros épi de millet, et les oiseaux s'y laisseront prendre. À cloche-pied, il gagne le champ de millet, s'y couche sur le dos et lève la patte en l'air. Les oiseaux la prirent pour un épi et se mirent à en picorer les grains. Alors vite, avec l'autre patte, le chat les attrapa. Bientôt, les moineaux s'aperçurent du piège et ils cherchèrent un autre champ. Mais l'un d'eux, qui avait failli être mangé, en garda une telle frayeur qu'il prit désormais chaque épi pour une patte de chat et jura de ne plus manger que des fruits pendus aux branches des arbres.